Hé, les gars, vous laissez pas faire! Qui es-tu? Je suis le commandant Sark. Un commandant de Sanker? Regarde bien. Ok, j'ai compris. Laisse-les. Mais enfin, c'est quoi ce monde à votre avis? Vous êtes dans l'unité centrale de l'ordinateur. L'unité centrale? Oui, le cœur de l'ordinateur, servant à gérer des données. Ceci est une copie d'un système créé par une entreprise appelée Encom. Le programme d'origine a été détruit. Mais cette copie a été récupérée par un utilisateur. Celui-ci a mis à jour et personnalisé tout le programme et l'a rebaptisé OS Forteresse Oubliée. Il s'est servi de ce système pour gérer la ville et poursuivre ses recherches. Je m'appelle Tron. Je suis le programme de sécurité. Et je suis en état d'arrestation, tout comme vous. L'un de vous a compris quelque chose? Eh bien, si on commençait par se présenter, hein? Je suis Sora. Ravi de te connaître, Tron. Moi, c'est Dingo. Vu vos configurations, vous êtes des utilisateurs. Utilisateurs. Vous feriez mieux de quitter cet endroit. Sinon, qui sait ce que le MCP vous fera? Le MCP? Le maître contrôle principal. C'est lui qui contrôle le système. Et si vous restez immobile, il risque de vous supprimer. Mais comment on sort d'ici? Ce terminal devrait vous renvoyer dans le monde des utilisateurs. Mais le MCP a coupé l'alimentation il y a 50 microcycles. En plaçant le cœur énergétique dans le canyon virtuel, on pourrait le réactiver. Le problème, c'est que nous sommes prisonniers ici. Nous ne pourrons aller nulle part si nous ne désactivons pas le champ de force. Maître Contrôle, pourquoi ne pas supprimer Tron? Je n'ai toujours pas identifié le mot de passe nécessaire. Et si on se servait d'une sonde logique, avec votre puissance de calcul? C'est hors de question. La configuration actuelle limite la capacité de calcul requise pour ce type d'analyse. Allez-y, Sark. Je vous conseille de mettre un terme à toutes les anomalies du système. Fin de transmission. À vos ordres. Voici le cœur énergétique.
Et maintenant, on fait quoi? Trouvez mon utilisateur, il vous donnera le mot de passe pour accéder au DTP. Sauf que... Mon utilisateur appelle TTB l'espace de stockage des données. C'est là que sont placées les copies des programmes d'origine et d'autres informations. On y trouvera des infos sur les sans-cœurs et l'organisation Drive. Certainement. Le MCP m'a volé la plupart de mes fonctions lors de notre dernier combat. J'ai besoin de ce mot de passe. Car si je pouvais entrer dans le DTD, j'aurais accès à une sauvegarde de mon programme qui rétablirait mes fonctions d'origine. Je serais alors en mesure de remettre ce système dans l'état où il était, avant que le MCP n'en prenne le contrôle. Il redeviendrait ce qu'il doit être, un système libre pour vous, les utilisateurs. Tron, le MCP, c'est pas un programme aussi? Est-ce que tu sais qui l'a créé? À vrai dire... je n'en sais rien. Très bien. Trouvons ton utilisateur et demandons-lui tout ça. Comment s'appelle-t-il? Comment vous l'ignorez? Mon utilisateur est le propriétaire de cet ordinateur. Anselme le Sage. Anselme? On dirait que le MCP nous a trouvés. Je vais maintenir ce terminal sous tension. Vous, sortez vite du système. D'accord, mais... Tron, Anselme est... C'est bon, vous pouvez y aller. Faites vite!